Donc ici, on va regarder comment est-ce qu'on change l'endroit où va un bouton. Surtout quand on veut cibler une page en particulier. Donc là, j'ai mon bouton contact qui est affecté à rien, parce que pour l'instant, ce n'est pas un bouton. Donc je le transforme en bouton, ça c'est la première chose. Et moi, je veux qu'il me cible une page en particulier. Donc là, je vais être obligé de passer par une encre de texte. Donc la première action, c'est d'aller sur la page. Donc, je veux qu'il me cible la page contact. Ben, je vais sur cette page contact et je vais lui placer un petit bloc de texte vide dans lequel, grâce à la palette hyperlien, je vais lui ajouter une cible d'hyperlien, nouvelle cible d'hyperlien, que je vais appeler. Je vais lui mettre un nom dont je suis sûr de me rappeler parce que vous allez voir que dans ce genre de document, on se retrouve très vite avec beaucoup, beaucoup d'encres qui ont beaucoup de noms. Donc page contact, OK, comme ça je suis sûr de la retrouver. Une encre de texte. Okay. Elle ne se voit pas, hein. C'est un caractère invisible qui se matérialise par deux petits points, mais elle est bien présente. Éventuellement, mon bloc, je peux laisser. Et donc, je vais retourner dans mon gabarit pour aller appliquer l'action à mon bouton. Donc, l'action que je vais lui appliquer, c'est accéder à la cible. Ça, c'est l'action. Et la destination, quelle cible il va me cibler, ou plutôt quelle encre, ben je vais aller chercher celle que je viens de créer, page contact, OK. Voilà, et là je sais qu'il va m'emmener à cette page-là. Voilà.